Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider parce que moi personnellement, ça m'a saoulé. Je vous explique. En gros, c'est avec les skins super-héros. Vous voyez, on peut mettre une émoticône sur le skin, pareil sur la cape, pareil sur le skip, sur le truc holographique. Attendez, où est-ce qu'il est? Voilà. Et vous voyez que quand on va modifier, on n'a pas toutes nos émoticônes. Vous voyez que genre, enfin, il y a des émoticônes aléatoires et genre, on n'a pas toutes les émoticônes de notre casier. Par exemple, regardez. Ils m'ont mis les FNCS en jaune aléatoirement. Par exemple, ils m'ont pas mis mes FNCS en bleu. C'est un exemple. Hop, regardez. Ils sont où? Ils sont où? Même regardez, celui-là, il me l'a pas mis. Tous les nouveaux. Et le FNCS en bleu, je sais pas où il est. Il est là. Bref, il y a plein d'émoticônes qui n'ont pas mis. Et je vais vous montrer comment les mettre. Par exemple, même regardez, toutes celles Marvel comme ça, ils me les ont pas mises. Faut savoir que ça marche pas avec les animés. Regardez, genre l'émoticône bouge, donc ça va pas bouger sur votre skin, donc ça ne marche pas. Mais sinon, vous pouvez toutes les mettre sur votre skin. Par exemple, imaginons, je veux lequel. Déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a pour bien voir. Par exemple, on voit que la ventouse des toilettes, elle y est pas. Regardez, voilà. Je peux pas la mettre de base. Du coup, vous allez aller dans vos danses. Vous allez cliquer ici. Ensuite, vous allez là dans les emotes. Et vous allez prendre ce que vous voulez. Donc moi pour le coup je vais prendre le truc de shot. Hop. Voilà, il le lance. Vous sélectionnez. Hop. Après vous allez dans votre skin, modifier. Et là, regardez. Il va se mettre tout devant. Et du coup, regardez, sélectionnez. Et là vous voyez que il est sur mon corps. Et après on peut même danser avec. Bon, vu qu'on est dans les salons, bah attendez. Faut le faire là. Bref. Pareil pour le sac à dos, je pense. Attention. Ouais, pareil, regardez. Et pareil pour le sac à dos holographique. Du coup, voilà. C'est une petite vidéo courte. Et d'ailleurs, si je rechange, par exemple, bah, je vais mettre ça, le tourbillon. Est-ce que le ventouse il s'enlève? Ouais, le ventouse il s'enlève et ça met l'autre. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je sais que c'est quelque chose qui est très chiant. Si vous avez au moins la cape, au moins le skin ou un holographisme, et ben je pense que vous avez dû péter des câbles parce que vous n'avez pas toutes les émoticônes. Là au moins vous pouvez toutes les utiliser. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et rode tout, je sais plus combien d'abonnés. Ciao!